بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى الحكماء سوف نقوم بأنوتر كا كلينيك، فلنكتشف مع بعض المراحل وكذلك التشخيص بإذن الله تعالى. فلنبدأ على بركة الله. أول خطوة اللي هي القراءة السريعة ثم البطاقة المساعدة. نبدأ الساب بالقراءة السريعة. Le clinique dit une femme, ok, une femme âgée de 32 ans, elle est jeune, opérée il y a 6 ans d'une appendicite aiguë par voie cœlioscopique, ok, consulte en urgence environ une heure après l'installation brutale d'une douleur aiguë permanente de siège périombilical à irradiation postérieure. Elle présente des vomissements bilieux incoercible. La température est à 37 degrés Celsius. Le ventre est plat à l'inspection. Une légère sensibilité péri-ombilicale est retrouvée à la palpation de l'abdomen. Le BMI, ok, c'est-à-dire c'est l'IMC, ok, c'est la même chose. C'est l'IMC, l'index de la masse corporelle, ok, est à 24. L'index HDI est généralement la normale, 18,5 jusqu'à 25, ok? Smahnaya, qui m'en goulou hna, nehkmo le poids, tsmo, ala, mwarabba, attol, tilgawa kilogramme par mètre carré, et la patiente est à ASA1, jmanata al-hukama ASA1, huwa, ibara an echen, tsmo, fla, ré, en fait, comment dirais-je, qbl, généralement, c'est une échelle préopératoire, c'est-à-dire, je vais voir le physique, est-ce que l'insan a d'arra ou ça, est-ce qu'il y a des autres pathologies, parce que quand il y a une certaine échelle, on ne peut pas opérer le patient. Donc, c'est ASA, donc c'est ASA, c'est American Society of Anesthesiologists, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est normal. C'est une personne, bien, c'est une patiente qui est saine. Alors, on continue. Le bilan biologique retrouve à la FNS des globules blancs à 6500 par millimètre carré. Ça va. Donc, c'est normal dans l'intervalle de 4000 à 10000. L'abdomen debout sans préparation, l'abdomen sans préparation montre un niveau hydroaérique épigastrique. Donc, ça, c'est le qira assariya. Donc, on va l'bitaqa al-musa'ida. L'bitaqa al-musa'ida, ou je te dis, première des choses, donc c'est une femme, ok, le sexe, c'est féminin, âgée de 32 ans, l'âge 32 ans, entre parenthèses, c'est une jeune, ok, opérée, donc les antécédents personnels chirurgicaux, donc appendicectomie, ok, il y a 6 ans, entre parenthèses, bien sûr, c'est très important, par cœlioscopie, ok, parce que la cœlioscopie, mais chiquima, la parotomie, ok, ou l'incision de McBurney, c'est pas la même chose. Consulte, donc motif de consultation, c'est donc une heure après l'installation brutale, donc installation, c'est le motif de consultation, c'est l'installation brutale d'une douleur, ou bien c'est une douleur brutale, aiguë, ou bien douleur aiguë, brutale, permanente, ok, le siège d'IALO. Donc, pour préciser la chose, ok, siège périombilical à irradiation postérieure. Donc, chauffe l'irradiation, etc. L'essentiel. Elle présente des vomissements. Donc, c'est-à-dire l'examen général d'Yelha, ou comme tu vous fais, l'inspection, etc. Elle présente des vomissements bilieux, incoercibles. La température d'Yala est à 37 degrés, si ça va. Donc à 37, mais ok, c'est-à-dire pas de, yani pas entre parenthèses, le choc septique, mais le ventre est plat à l'inspection, ok, ok. Donc le ventre est plat à l'inspection, qui chauffe, il est plat, yani ballonnement, ok, voilà. Une légère sensibilité péri-ombilicale est retrouvée à la palpation de l'abdomen. C'est-à-dire, quitte palpé ou hein, ok, qu'il y a une légère sensibilité, c'est-à-dire que je roule, par exemple, comme la sensibilité, elle aime, qu'il y a une sensibilité, ça péri-ombilicale, ou la sora, est retrouvée à la palpation de l'abdomen. Le BMI 24, ça va, c'est ma mère obèse. ASA, c'est ma rahisen, on peut dire que l'amélie est gérée, fi halima tararna ila, ou comme la bitchris, ou ken tachris, ani haja gérée, une urgence médico-chirurgicale. Alors, on a fait le bilan,
Donc, 6500, ce n'est pas. C'est normal. C'est-à-dire, on a déjà le c'est pour ça, donc, je fais même la température d'IA est 37, ok? Je fais tout le bétard à nous aider à donc, Kenin, en fait, nous avons les examens paracliniques, donc, le bilan biologique, c'est FNS, GB, globule blanc, tout ça, oui, c'était la fourmismia. Entre parenthèses, normal. Ok, c'est la cage hyperleucocytose. Donc, les examens paracliniques, l'autre, c'est radiologique. Radiologique, deux points. ASP, donc, un niveau hydroaérique épigastrique. Nocta. Donc, c'est le bitaq al-moussaïda avec le kabach, tout qui va. Donc, nous avons le bitaq al-moussaïda. Et Kadalika, notez, vous devez noter BMI à 24. Je vais vous l'oublier. Là, il est normal. Corpulence normale. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a des notions, des fois, il y a un peu le diagnostic. Donc, c'est très important que vous ayez l'appendicite aiguë il y a 6 ans. Ok. Est très importante. Et là, vous avez besoin de vous l'appendicite ombilicale à chaque, donc, entre parenthèses, deux fois. Péri-ombilical, donc, chauffe-moi, na, douleur péri-ombilicale, sensibilité péri-ombilicale. Ou si vous faites comme le chauffe péri-ombilical, j'ai une fibelle, l'appendicite, il y a une fentonie qui fait, donc, chauffe-moi, les diagnostics. Sinon, je vais mettre comme je fais, ok? Je chauffe-moi, des fois, péri-ombilical, sur le l'appendicite, alors que c'est rien à voir avec l'appendicite, ok? Donc, on va explorer ensemble. Alors, Kedalika, chauffons Mayemlé. Chauffons Néa, on a des vomissements bilieux incoercibles. Chauffons qui fait charahi bilieux, hetta. Bilieux, c'est-à-dire que vraiment, yani, entre parenthèses, on a le niveau, bien la lésion, elle est au niveau, ou bien, comment dirais-je, rahi le fora, ok? Ou non? C'est ce que je veux dire, on nous. Alors, on chauffe, on a fini le bitaq al-moussaïda, la qira'a as-sari'a al-awwaliya, thumma le bitaq al-moussaïda. Donc, le sou'al al-awwal, ce qu'il dit? Ce tableau fait évoquer la combinaison juste. Had le tableau, hadi, wach naqdrou nistakhrajou minno? Naqdrou nistakhrajou minno une pancréatite aiguë, une occlusion intestinale aiguë grêlique, une perforation d'ulcère duodénal, une cholécystite aiguë, un abcès hépatique. Alors. Awwal haja, je vais. Bon, bima enno. Péri-ombilical, donc je vais éliminer un abcès hépatique, normalement c'est à droite, ou le cholécystite aiguë à droite. Cholécystite aiguë, comme j'ai déjà dit précédemment, même les cas cliniques, même le cours, vous trouvez les cholécystites, qui fait que je parle de l'angiocholité, la cholécystite, transcystite. Ok, le kyste, c'est comme kyste, it c'est une inflammation, kyste c'est la vésicule biliaire, donc il s'y a la vésicule biliaire, ah ouais, c'est là, ça fera bien, très bien. Donc ça c'est à part. Un abcès hépatique, donc c'est à droite. Donc, je vais éliminer le 4 donc, et le 5. Rally 1, 2, 3. Alors. Bon, une pancréatite aiguë, je vais la cocher à l'aise parce que Naya déroule l'irradiation postérieure. Je trouve qu'il m'angoule la douleur transfixante, les kenchfito, la description de la douleur d'une pancréatite aiguë. Donc, je vais cocher une pancréatite aiguë. C'est Rally, bon. C'est une occlusion, donc chaque mébine, une occlusion intestinale aiguë grêlique et une perforation d'ulcère duodénal. Bon, la perforation d'ulcère duodénal, l'abdomen sans préparation, comment dirais-je, montre un niveau hydroaérique épigastrique. Quand il y a perforation d'ulcère duodénal, généralement, il sera avec le pneumopéritoine, ok? Comme il y a donc un pneumopéritoine, ok? C'est-à-dire qui joue le hélel, il dit le diaphragme ou fouq el kebit. Donc je vais éliminer la perforation du ulcère duodénal. C'est pour aller une occlusion intestinale aiguë, je vais la cocher à l'aise parce que ils ont dit, ok? Donc, il est présent des vomissements bilieux incoercibles. Généralement, l'occlusion, donc vraiment, tatamaïs, bioujoute des vomissements. Bin, avec le tableau clinique dit là, c'est vomissements bilieux incoercibles. Donc, je vais cocher 1 et 2. Je vois ma part dans le pâte. Donc, c'est 11. Donc, c'est H. Tout qui fâche? 11, c'est A, c'est 1 et 2. Pancréatite aiguë, peut-être. C'est un tableau
qui peut évoquer que ce soit une pancréatite aiguë ou là une occlusion intestinale aiguë grêlique. Nous avons la lipazémie. Et la lipazémie, l'enzyme hadaya في لي باس هو هو الماركور اللي نستخدموه pour mettre en évidence le diagnostic ou bien pour diagnostiquer une pancréatite aiguë, la présence d'une pancréatite aiguë. قال لك بلي لا ليبازيمي ainsi que l'échographie hépatique sont normales. La lipazémie normale, donc je vais écarter directement la pancréatite aiguë. OK, très bien. Sont normales. L'échographie hépatique normale, c'est-à-dire ماشي abcès hépatique. Donc on حاول abcès. OK. Ou l'abcès ديروا في بالكم بلي الجيم la température impossible à 37. Bon, فهمتكم علاش؟ Surtout la douleur. شفتوا كيفاش تخرجوا بزاف من هاد la carte البطاقه المساعده تعاونكم بزاف. Donc vous retenez le diagnostic d'une occlusion du grêle. OK, c'est-à-dire la deuxième. Quel est le mécanisme le plus probable? Quel est le mécanisme le plus probable? ديروا في بالكم بلي on a deux mécanismes. En fait, on a deux types. On a l'occlusion l'occlusion اللي هي ميكانيك وكاينه لوكلوزيون فونكسيونيل هكذا تحطوا عندكم في الورقه كاينه دو تيب اوكلوزيون ميكانيك اوكلوزيون فونكسيونيل لوكلوزيون ميكانيك اون دو ميكانيزم بار اوبستركسيون ستادير اوبستاكل ولا بار كوا بار سترونغولاسيون لا سترونغولاسيون فيها كات شوز فيها بار فولفولوس بار انفاجيناسيون بار ان فيت او بيان بريد سور بريد اوكي دونك كاتر شوز اون ا دي volvulus, étranglement, généralement FLEFF, par exemple une hernie, ok. Troisième, c'est invagination, c'est le télescopage, et finalement, bride, surbride, ok. Donc, les kinshvitouf, les antécédents donc, personnels chirurgicaux, ils ont dit, il y a 6 ans, d'une, donc voilà, en fait, elle était opérée il y a 6 ans d'une appendicite aiguë. Ok, 6 ans, c'est quand même l'ouverture de l'azim, parce qu'il y a une fibrose, ok. Mais chez ça, la patiente dit qu'elle a une fibrose, où il était chaque ce qu'on appelle, donc, avec la fibrose surbride. Donc, où est le mécanisme donc, bride, alors, fait quel mécanisme? Mécanisme par strangulation. Obstruction, je vais éliminer. Il y a ce réflexe, donc ça, c'est fonctionnel, c'est rien à voir, parce que c'est des hadiths qui rient. Strangulation, oui, occlusion métabolique, mais d'acte à l'aqa, il y a eu ce biliaire, mais d'acte à l'aqa. Il y a eu ce biliaire, c'est que c'est la migration d'un calcul. OK, من la vésicule biliaire, OK, à travers une fistule avec d'ailleurs bilio-digestive. Ça c'est rien à voir. Donc je vais utiliser donc strangulation. شوفوا strangulation, لكن كتبتوا لازم تكتبوا الملاحظه اللي كتبتها لكم اللي قلت لكم كاينين عندنا deux donc occlusion mécanique واحد نين occlusion fonctionnelle نروح l'occlusion mécanique فيها deux mécanismes que ce soit par obstruction اللي تقدر تكون endoluminal ou la extra donc extra luminal ok donc deuxième c'est par mécanisme par strangulation ou تكتبوا اول حاجه volvulus ثاني حاجه invagination ثالث حاجه étranglement رابع حاجه اللي هي bride, il y a le cas de la patiente Diana. Ensuite, donc, 12 cc. Chauffe-toi qui fâche. C, c'est une strangulation. Donc, 53, pardon. La réanimation préopératoire ne doit pas dépasser. Ne doit pas dépasser 30 minutes, ok, ou là, 90 minutes, ou là, 2 heures, ou là, 4 heures, ou là, 6 heures. شوفوا دائما الحوايج لي زورجونس ميديكو شيرورجيكا لازم دونك نشوفوا نخيروا الوقت الاقصر اللي هو 30 مين هنا الوقت الاقصر هنايا اللي هو 30 مينوت نتدخل في اقرب وقت اللي هو لو ا دونك 53 دونك سي 13 سي تري بيان دونك سي 30 مينوت سورتو في لي زورجونس شيرورجيك ميديكو شيرورجيكال كلما تدخلنا في طريقه ابكر كلما كان النتائج ممتازه سؤال 54 سؤال 54 يقول لا فوا شيرورجيكال بوتيتر كومبينيزون جوست La voie chirurgicale peut être une voie célioscopique, c'est-à-dire que une strangulation. Est-ce que une voie célioscopique, une laparotomie médiane, une incision McBurney, donc une sous-costale ou là une suspubienne? Donc une voie célioscopique, ok, déjà
elle a déjà fait donc head la voix, la parotomie médiane, je vais cocher head la parotomie parce que ça a un champ plus vaste. Une incision McBurnie, il y a déjà l'appendicite, je vais pas cocher le 3. OK? Une sous-costale, nous comme une hydro, hydro beaucoup plus la cholecystectomie. OK? Une suspubienne beaucoup plus en fait comment dirais-je la césarienne. Donc pour moi, je vais utiliser un 2C. Donc chauffe-eau 14, très bien, CC. Fermine, très bien. L'occlusion sous L55, l'occlusion vasculaire en plus de l'occlusion de la lumière intestinale se voit dans l'occlusion par. Alors, l'occlusion vasculaire, c'est-à-dire que Kane a mécanisme li en plus de l'occlusion de la lumière intestinale, arrêt donc des matières et des gaz complets, Kane a kedelika une compression vasculaire. يعني هناك اون اسكيمي اللي تضغط على الاوعيه الدمويه يعني الشرايين خاصه دونك يعني لي دو ا لا فوا دونك واش هما الحوايج اللي يقدروا يخلونا الا وحده غلطه اول حاجه لي ترونغلومون وي لي ترونغلومون اللي نلقاوه اكزامبل اكتبوا اكزامبل ايرني دونك اي ترونغلومون في الايرني دونك يقبض على اونتر بارونتيز يخنق ان فيت المهم يمنع دونك En fait, il y a que là, donc c'est une occlusion vasculaire et en plus de ça, c'est une occlusion de la lumière. Par bride, c'est la même chose, ok. Par corps étranger dans l'iléus biliaire, par volvulus, ok. Volvulus, c'est que il dort avec par exemple l'intestin, il dort haoula mihwarihi ou ykhnqarahu. Donc ça, c'est volvulus. Invagination entre le fiq al-bou, donc entre le fiq al-ba'da, c'est le télescopage qui entre le fiq al-bou. Rah yadghat kadhalika ala Donc, le paquet vasculaire. Donc, il prend un parcours étranger dans l'iléus biliaire, c'est rien à voir parce que parcours étranger, c'est un corps étranger endoluminal, mais on ne peut pas faire ça. Donc, CC. Maintenant, on chauffe 15, CC. Très bien. Donc, j'espère que j'étais claire. Donc, c'est le cas clinique d'aujourd'hui. OK. دائماً القراءة السريعة الخطوة الأولى الخطوة الثانية ديروا البطاقة المساعدة ويعني حاولت كيفاش نبسط لكم لو ماكسيموم كيفاش نخليكم تخموا بطريقه تحليليه منطقيه ليس تاع الحفظ كالببغاء وانما بالفهم اوكي كانك راك صح كانكم حكماء راكم صح في هذيك الوضع وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما تنسوش حكماء تشتركوا في القناه دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه سلام